faut et puis vous allez voir que vous allez vous faire les bras quoi. Bon, ben ça va choisir la courge. On sait que ça va être très compliqué, la vendeuse nous a expliqué. Reste à trouver la bonne forme. Elles sont grosses. Ouais, je pense que celle-là, elle est bien. Ouais. Grosse comme ça, ce serait beau aussi. Hein. Toi, tu voulais quelle taille, Paul? Quelque chose pour que vous puissiez travailler un peu. Ça va vite être très lourd, hein. Oh, putain. Ouais, là, elles font facile. 8 kilos. Ouais, elle est sympa aussi. Celle-là, elle est bien. Ouais. Celle-là, elle est sympa, ouais. Ah voilà, vous en prenez un chacun comme ça. On va essayer, ouais. Et voilà. Oui, ça c'est la mienne. Elle est toute terreuse. La petite truc, ce sera sympa. C'est une activité d'adulte. Quand t'as le vendeur qui fait « Oui, c'est pour des enfants ?»« Non, c'est pour nous. » Oui, ça veut tout dire. Je vous ai conseillé de faire ça dehors. C'est vrai ? Ouais. Bah, en fait, si y en a j'ai pas entendu parce que j'étais en train de filmer. Alors des fois ça peut pas se voir de l'extérieur, mais s'il y en a une qui a un petit défaut, okay. Elle peut être pourrie à l'intérieur. Et okay. Du coup elle en a ouvert une chez elle dans son salon, et dans sa cuisine, et toutes ces... Ok, alors bah ouais, on va la laisser là. Lamentablement. Je crois qu'il y a des animaux qui vont nous manger nos courges. Non, non, ils vont se péter les dents. Au moment où vous verrez cet épisode, Halloween sera déjà passé depuis un sacré moment, mais c'est pas grave, on fait ça pour le fun. En fait on a une amie qui nous a lancé un défi de faire la meilleure courge d'Halloween possible. Challenge accepted. On va s'y mettre dès demain. Là, on a sélectionné notre courge de combat. Indépendamment du concours, cette année, je voulais me mettre à tailler une courge et puis en la filmer et puis la mettre en scène. J'ai essayé de regarder des tutoriels sur YouTube et j'ai trouvé tout ça très, très mou et très, très, à vrai dire, assez ennuyeux en fait à regarder. Donc, je vais faire le tutoriel à ma sauce. On se retrouve tout de suite pour la découpe de la courge. On avait dit que c'était un concours. Il faut prendre les choses très au sérieux. C'est le cas de Paul. Mr. Lux, ne déconne pas avec le matériel. Je ne sais absolument pas ce qu'il va faire avec sa perceuse. Et le challenger mystère. Et nous avons un nouveau challenger mystère. Mr. Pernet. Non. Oui, c'est moi. Alors celui-là, je vais pas vous mentir. Il est à dents, c'est pour ça que... Putain, tu fais pas semblant. Hein. Ah, c'est infâme. C'est tellement infâme. Ah mais bon, Alain, il faut y aller là. Faut gagner. Hein? C'est qui doit gagner là? C'est pas une course. Clairement, pour ceux qui veulent se lancer dans le décortiquage de citrouille, ça, c'est la vie. C'est bien meilleur qu'une cuillère ou quoi. Merci Paul pour ta technique. Je t'en prie. Oh là là, il sort les grands outils. We'll be right back.
j'ai une grosse inquiétude, c'est avec le sourire, je sais pas ce que je veux faire. Parce que le sourire, c'est quand même l'élément majeur de la citrouille, tu vois, c'est un truc qui fait bien la moitié de la citrouille. Bon, je sais pas. J'ai peur. T'as déjà fait le smile? Ouais. Ah, j'ai pas regardé. Bah, va voir. Puis je vais aller faire comme certains font ici, prendre des idées à droite à gauche. Voilà. Tu vois, moi, il est assez bas. Hein. Tu lui as fait une cicatrice. Ah, j'avais pas vu. Les hostilités ont commencé depuis 2 heures. Moi, je suis arrivé un peu au bout de mon chef-d'œuvre. Les deux autres concurrents sont encore en train de peaufiner, mais on sait que c'est la cigarette du condamné. Ils ont perdu et ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de sauver les meubles. Voilà, il essaie de faire des subterfuges à base de cure-dents et de perceuses. Et... on verra, on verra. Réponse dimanche. Ton sentiment après 2 heures de combat? Bah, ça va, il reste pas grand-chose. Hein. Il reste juste la bouche. Au bout. Ouais. Faire un peu les dents pointues, machin, et puis après creuser dedans pour que la lumière elle passe. Bon, faudra essayer avec les bougies après. Il marche plus très bien le truc, mais ça va s'allumer. Ah, cool! Tiens, ça rend bien. T'es pas satisfait par le. Si, c'était pas mal, mais mieux, c'est mieux. Au niveau du bandeau, ou des dents? Des deux. Moi, je me sens que je vais être bon dernier, à mon avis. Ah, vous avez un petit truc en plus que j'ai pas fait, je sais pas. 20 cm. Non, non, vous avez, je sais pas, vous avez fait un peu plus original, quoi. Moi, j'ai fait un classique, c'était ma première, donc... Bah, allez. Voilà, la journée de découpage intensif de citrouille est terminée. Paul et Martin sont partis. On attend les résultats qui seront donnés dimanche. Vous avez pu voir les photos. J'espère que vous êtes amusés à regarder comme nous, on s'est amusés à le faire. C'est trop classique comme formulation. Ça. J'espère que ça vous a plu. Juste avant de terminer le vlog, je voulais vous montrer ça. Je reviens d'une soirée. En rentrant dans mon salon, j'ai eu très peur parce que j'avais oublié. On va mettre dans l'ambiance. J'avais oublié que... Martin avait laissé sa citrouille, alors je sais pas si on verra grand chose. À l'extérieur, toujours allumé, et c'était assez flippant. Le dernier coup de frayeur, on va rallumer. C'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à me laisser un commentaire et à poser un like si la vidéo vous a plu, évidemment. Je vous invite également à vous abonner et à activer les notifications pour suivre la suite des vlogs. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de partager ça avec vous. Je vous laisse et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures vidéo-photographiques. Allez, à bientôt !